Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vous présente le télépod mobile de chez Joby. Vous êtes donc un amateur de YouTube, de TikTok, vous aimez Facebook et vous aimez vous filmer. Avec ce télépod, vous allez pouvoir faire pas mal de petites choses super intéressantes en toute autonomie. Vous allez pouvoir le disposer avec sa télécommande Bluetooth compatible iOS Android. Je vous présente ça tout de suite, c'est parti les amis. Allez, on va tout de suite sortir de sa boîte ce télépod de chez Joby. Donc vous allez voir qu'avec cet appareil, on va faire beaucoup de choses. Allez, ça va aller très vite, on le déballe, c'est parti. Joby est donc une marque de télépod très connue. D'ailleurs, j'en avais fait déjà la présentation, mais je l'ai malheureusement cassé. J'en profite pour vous le représenter. Ce télépod est vraiment ultra génial puisqu'il est équipé sur sa poignée d'une télécommande Bluetooth. On retire d'ailleurs le petit plastique pour libérer la pile et on va pouvoir appairer cette télécommande sous iOS et sous Android pour pouvoir prendre des photos et lancer des vidéos à distance. Bien sûr, avec votre télépod est livré des manuels, des petites notices qui vont vous montrer comment le monter, comment vous servir de la télécommande. Pour appairer, jumeler votre télécommande, il y a un bouton sur le dessus, vous appuyez 3 secondes dessus et elle va se mettre à clignoter. Une fois qu'elle clignote, rouge, vert, bleu, toutes les couleurs, vous n'avez plus qu'à prendre votre iPhone ou votre smartphone sous Android, votre tablette, et vous l'appairez dans la section Bluetooth. La télécommande est mise en mode appairage, elle va apparaître dans Bluetooth. Vous n'avez plus qu'à double-cliquer et maintenant, l'appairage se fait, le jumelage instantané. Il ne reste plus qu'à attendre que la télécommande s'appaire, c'est-à-dire qu'elle arrête de clignoter, ce qui veut dire que l'appairage est réussi. Point de repère, moins de 10 secondes. Appareil photo. Testons maintenant la télécommande dans l'appareil photo, sous iOS et Android. Maintenant, à une distance de 10 mètres, vous êtes capable de prendre des photos et des vidéos. Bouton. Incliné vers la droite. Vidéo. Bouton. Bouton. Une fois que vous allez déplier les trois pieds de votre télépod, dessous, il y a des petits patins qui vont éviter à ce que votre télépod glisse sur les surfaces. Ça, c'est vraiment très sympa puisque quand vous le posez, vous pouvez donc le secouer, le télépod tient parfaitement bien. Très bonne adhérence sur n'importe quelle surface. Alors, ce télépod est télescopique, il possède quatre tiges que vous allez pouvoir monter les unes devant les autres et bien sûr les bloquer en les serrant d'un quart de tour, sens inverse des aiguilles d'une montre. Ce qui lui donne une très bonne hauteur et ce qui va vous permettre de faire du scannage, de la numérisation grâce à ce petit support bien sympathique. Alors sur le haut, il y a donc une pince qui va permettre en fait de prendre en compte de gros smartphones tels que le Galaxy S20 Ultra ici. Et vous allez donc pouvoir faire des vidéos, de la prise de photos sans aucun problème. Comme vous savez que VoiceOver nous dit lorsque les visages sont centrés ou pas, c'est cool. Alors, au niveau de la télécommande, on s'aperçoit qu'il y a un petit ergot et cet ergot va aller s'encastrer dans le manche du télépod, ce qui permettra d'avoir une très bonne tenue au niveau du manche et d'avoir la télécommande à bout de doigt. Et ça, c'est vraiment cool puisqu'on pourra même tenir ce télépod en mode selfie. Voilà, donc une fois le télépod déplié, on est à peu près sur une hauteur de 80 cm. Ce qui est assez haut pour faire du scanner par exemple. Ce qui peut être vraiment idéal, c'est de passer du mode support bureautique au mode perche, c'est-à-dire au mode selfie. Pour ceux qui ont des chaînes YouTube par exemple, qui font des TikTok, qui font de l'Instagram, qui font par exemple du Facebook, de la vidéo en général ou des photos, ça peut être ultra utile. Une fois que vous avez transformé votre télépod Joby en perche à selfie, vous pouvez donc avoir votre télécommande en main ou dans votre poche
et à une distance de 10 mètres, prendre des photos, faire des selfies, vous en servir par rapport avec n'importe quel système iOS ou Android pour numériser par exemple du texte, c'est vraiment très sympathique. Alors, ce qui va être aussi appréciable, c'est que l'on peut mettre son smartphone en mode paysage comme en mode portrait. On peut le mettre de différentes façons au niveau du haut de la perche. Vraiment, c'est très malléable. Ce Joby est vraiment excellent. J'en ai fait l'acquisition sur Amazon pour une 60aine d'euros à peu près. Je vous mettrai donc tous les liens dans la description. C'est vraiment quelque chose d'important si vous désirez avoir des images propres. Je m'en sers beaucoup aujourd'hui par rapport à ma chaîne YouTube. Ce télépod mobile porte bien son nom car vous pouvez vraiment vous en servir dans n'importe quelle condition. Le télépod mobile porte bien son nom par rapport à sa portabilité, à sa maniabilité. Franchement, on s'en sert en toute autonomie. C'est vraiment le top. Surtout donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur la chaîne Vision Hightech si la vidéo vous a plu. On vous attend nombreux. Likez cette vidéo si elle vous a plu. Mettez-moi en commentaire ce que vous pensez d'un tel appareil. Et on se dit à très vite pour une prochaine. Salut à tous!